Passons maintenant à notre chroniqueur et historien Mario Robert qui vient aujourd'hui nous parler de ce que certains appellent le poumon de Montréal, donc le Mont-Royal. D'abord, d'où vient son nom? Bien, avant l'arrivée des Européens, euh, c'est un lieu de passage, puis un lieu de chasse. Pour les Amérindiens. D'ailleurs, les sentiers qu'ils utilisent pour se rendre à la montagne oui. sont connus aujourd'hui sous le nom de Chemin de la Côte-Sainte-Catherine et Chemin de la Côte-des-Neiges. Mm -hmm. Alors, quand Cartier arrive en 1535, il va, euh, il va venir à Hochelaga, donc rencontrer les Iroquois du Saint-Laurent. Oui. Et il va décider de, de, de baptiser euh, la montagne du nom de Mont-Royal, d'où est dérivé le nom Montréal actuel. Mm -hmm. Quand euh, Maisonneuve et Jeanne-Mance vont venir fonder Montréal en 1642, euh, juste un petit peu au mois de décembre, à 25 décembre, il y a une inondation qui accourt pas loin de, de la petite colonie et Montréal est sauvé. Alors, pour rendre euh, hommage à, cette, euh, à Dieu, justement, oui. pour, pour avoir évité cette catastrophe, Maisonneuve va prendre une croix et il va monter sur le Mont-Royal ah. en action de grâce. Oui, oui, Alors oui. ça, c'est un élément important, d'ailleurs, c'est le lien qu'on fait avec la croix d'aujourd'hui. Et plus tard, bien évidemment, les Sulpiciens, hein, vous avez parlé oui, des Sulpiciens parlé. tantôt, euh, vont découvrir le potentiel agricole du site de la montagne. Et ils vont faire construire le fort de la montagne, dont il ne reste aujourd'hui que les deux tours que l'on retrouve sur la rue Sherbrooke, près de la redwater. Et là, donc, on parlait de territoire de chasse, mais à partir de quel moment ça va on va occuper la montagne? Bien, au début du 19e siècle, les membres de l'élite anglophone montréalaise vont s'installer graduellement sur les flancs sud euh, du Mont-Royal. Par exemple, le trafiquant de fourrure Simon McTavish mm -hmm. va installer, va y construire la première grande villa en 1803. Est-ce que, parce que c'était plus frais, j'imagine dans la montagne qu'en bas? Euh, probablement, c'était plus beau, une, belle, plus, une oui, plus, belle plus belle vue, vue aussi, aussi de la effectivement. ville. Effectivement. Effectivement, puis probablement moins pollué aussi oui, parce ben que oui. les, les rues ne sont pas très, très euh, euh, agréables à cette époque-là. Oui. Et euh, il va être suivi en 1804 de James McGill, qui va euh, faire construire la villa Burnside et qui va ensuite léguer avec sa ferme pour fonder le McGill College, qui est devenu évidemment l'Université McGill. Alors, arriveront ensuite les euh, grandes institutions, comme le cimetière protestant mont en 1852 et le cimetière catholique Notre-Dame-des-Neiges en 1855. La ville, à peu près à la même époque, la ville va faire construire le réservoir euh, McTavish. Et à la fin du 19e et tout au cours du 20e siècle, il y a des grandes institutions qui vont venir s'installer sur le Mont-Royal. On parle de la, le Royal Victoria, mm -hmm, l'hôpital dont on a déjà parlé. Oui. Euh, les Sœurs de Saint-Nom de Jésus et de Marie, mm -hmm. euh, le central d'alarme de la ville et l'Université de Montréal, plus au euh, 20e siècle. Alors, à la fin du 19e siècle, les plus riches personnages au Canada habitent. Ont tous leur luxueuse résidence au pied du Mont-Royal. Mais là, justement, ça, ça empiète un peu sur cette montagne-là. À partir de quel moment on va décider de, de, que ça devienne un parc? Bien, durant l'hiver 1871-1872, un des propriétaires décide de faire une petite coupe à blanc sur un flanc de la montagne, probablement pour euh, avoir du bois de chauffage. Oui. Donc, ça va soulever des protestations de plein de gens euh, à Montréal, ce qui fait qu'on les, les... va demander au Conseil municipal d'acheter les terrains de la montagne pour en faire un parc. Hmm. Alors, à compter de l'année 1872, la ville va acheter 478 acres de terrain mm. et de, pour une valeur d'à peu près 1 million de dollars en 1874. C'est énorme, hein? C'est très important oui, comme, comme achat. Comme somme, oui. Alors, en 1974, l'administration municipale va donner un contrat à euh, Frederick Law Olmsted, qui est le, le, celui qui a créé Central Park, fait. pour justement développer cette montagne-là, pour en faire un beau parc euh, de verdure. Donc, ce rapport va être euh, fini en deux ans et le parc va être inauguré le 24 mai 1876, qui est le jour de la reine, de, de, de la reine Victoria, oui. en fin de compte, le jour de l'anniversaire de naissance. Donc, les plans euh, vont se poursuivre jusqu'en 1882 et il y a un funiculaire qui était pas prévu justement au, euh, au programme qui ouais. va être inauguré en 1884. Hey, c'est drôle ça. Oui, il est ça. magnifique ben et oui, est il drôle. va être en opération jusqu'en 1915. C'est drôle parce que pour moi un funiculaire c'est tellement ça à la ville de Québec. Oui, mais absolument. Dans le fond, on en avait besoin aussi. Oui, à Montréal aussi. il y en avait un pour monter sur la montagne. Bon et là entre 1900 euh, entre 1900 et 1939 c'est quoi les équipements donc à part le funiculaire qui était installé Alors euh, évidemment en 1906 il y aura le premier belvédère qui est au même endroit que le belvédère actuel celui qu'on voit ça c'est oui. l'ancien qu'on voit. Voilà, euh, qui va être construit. Euh, quelques années plus tard, on va euh, entreprendre la construction d'autres de, de, institutions. L'Oratoire Saint-Joseph va être installé sur le Mont Westmount, oui. le, le, le sommet Westmount, et euh, on aura aussi au pied du Mont Royal le monument Sir George-Étienne Cartier hein, mm -hmm. qu'on retrouve juste au pied. Où il y a les tam-tams. Oui, voilà. et, exactement. Et euh, une des nouveautés importantes de la décennie 1920, c'est l'installation d'une croix sur le Mont Royal, en souvenir de la croix que Maisonneuve ah, avait ben oui, parce installée elle a, elle a dû en 1943. <laughs> <Et ce rire> Long, très oui. longtemps qu'elle <laughs> n'existait plus. Alors, évidemment, l'objectif, c'était le rappel de cette croix oui. de Maison-Neuve. Elle va être illuminée pour la première fois la veille de Noël 1924. Et en 1927, il y a un autre projet de, de funiculaire, mais c'est plus un élévateur oh. qui va être présenté sans résultat. Alors, oui. la Ville va plutôt opter pour un tramway. Le tramway numéro 11 qui va monter les gens à, euh, du côté est de la montagne. Qui est toujours le numéro d'autobus qui le traverse le, la montagne. c'est le numéro d'autobus mmh. qui se retrouve là. Alors, la crise des années 1930 va entraîner différents travaux. Oui. On a vu à lîle sainte hélène au parc la Fontaine, oui. Et il y aura aussi la construction du chalet de la montagne mmh. qui va se, se faire oui. à ce moment-là. Et avec les plans de l'architecte Frédéric Todd, on va créer aussi le lac au Castor. Quelles sont les autres modifications qui vont être apportées au parc? Ben, en 1948, on va euh, adopter un règlement qui va autoriser l'accès euh, au parc pour les voitures. Parce qu'auparavant, on n'avait aucun accès pour les voitures. Ah, ben oui. euh, y a, avec l'arrivée de la télévision, c'est la, la tour de transmission qui, qui s'installe. Mm -hmm. Mais les pires dommages au parc vont avoir lieu en 1954. Alors, euh, étant donné que des choses immorales se passent dans les buissons ah, du parc à cette oh, époque-là, on était à une époque oui, de moralité, bien sûr. on va entreprendre sous l'air drapeau qui commence oui. des coupes de moralité. Alors, euh, oui. Moi, je ben, connais les coupes à blanc. C'est quoi des coupes de Morenze? Ben Ça y ressemble un petit oui. peu parce qu'évidemment, on va raser beaucoup tous les buissons, tous les arbustes. Mmh. Ce qui fait, on voit l'image, le Mont-Royal va porter le nom de Mont-Chauve oui. pendant cette époque-là. Hey, C'est incroyable. Et Quel ça, dommage. Et oui, mais évidemment, on va être obligé, à cause de l'érosion, on va être obligé de planter 60 000 arbres mmh. au début de la décennie 1960 pour justement enrayer les problèmes que ça pose, mmh. se posait le Mont-Chauve à l'époque. Alors, il y aura plusieurs éléments qu'on va retrouver. Donc, la voie Camillien-Haute qui va être ouverte en 1958 oui. et le chalet du Mont-Royal aussi, le chalet du Lac-aux-Castors la même année. Ben mon Dieu, merci d'être venu nous parler de, ce, de cette montagne hein, qui est tellement importante, on le disait, le poumon de notre ville, Absolument. effectivement.